que je fais ici, moi? J'en veux pas de cette urgence qui m'arrache à mes vacances. Ça fait des années cosmiques que j'ai pas eu de vacances. Vous me remplacez, je suis quand même pas le seul ange gardien disponible, non? Jean-François Balthus. Jean-François Balthus dans l'élixir d'amour de Donizetti. Bah, si c'est pour assister à un opéra, fallait le dire tout de suite, ça change tout. Moi, je suis peut-être un petit peu ridicule, habillée comme ça, on dirait que je fais partie de leur... Je fais partie de l'orchestre. Alors ça, jamais, vous m'entendez? Même pas en rêve, jamais. Je sais que j'ai pas le droit, mais alors en tant qu'ange, j'ai la haine. J'ai du bol, ils auraient pu me mettre à la contrebasse. Il a une voix magnifique, mais pourquoi on l'a habillé comme ça? C'est pas les aventures de Dracula, c'est un opéra romantique. Ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, je ne pourrai pas aller plus loin, je m'arrête. J'arrête, mais je vous comprends. Vous serez remboursé, on rembourse. Il est où mon client magnifique? Qui en était le témoin. Et que la presse, qui bien entendu, va en faire ses choux gras. Tu sais, fini, c'est inconcevable. Dissimuler aux assurances qu'on a une lésion des cordes vocales. Il est malade, ce type. Bonjour, la compassion. Excusez-moi. Je sais que vous avez sûrement pas fait attention, mais j'étais dans l'orchestre et... Je m'appelle Joséphine Delamarre et je suis au cymbale. Et je voulais vous dire que... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il n'y a rien à dire. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. En fait, j'ai tout entendu, ce qu'ont dit le directeur et le chef d'orchestre. Moi, je voulais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que vous avez eu raison de rien dire et de jouer le tout pour le tout. En fait, je suis sûre que vous n'êtes pas fini. Ah oui? Et vous êtes qui pour me dire ça? À côté de vous, pas grand-chose, mais... Disons que je suis peut-être une petite lueur dans la nuit. Non, pas par là.
Il y a peut-être des journalistes ou des gens mal intentionnés. Je préfère qu'on sorte par là. Vous préférez? Eh bien, je vous en prie. Merci. Vous n'auriez pas une cigarette? Merci. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Quoi? Ah, de fumer avec une lésion des cordes vocales. Ça fait 30 ans que je m'en prive. Alors aujourd'hui, ça n'a plus grande importance. Mais vous avez envie de guérir, oui ou non? C'est un peu compliqué. Je suis pas complètement idiote, je peux peut-être comprendre. Non. Vous êtes gentille, Josiane, mais... Non, pas Josiane, Joséphine. En plus, c'est pas que je peux comprendre, c'est que je veux comprendre. Ce que vous avez, c'est plus grave qu'une simple lésion, non? J'ai appris que j'avais un cancer il y a environ 8 mois. Le médecin m'a dit que j'avais 9 chances sur 10 de m'en sortir si je commençais tout de suite les séances de chimio. Seulement, j'ai refusé. Comment ça, vous avez refusé? Ben oui. Ma voix aurait cassé dès les premières séances. Et comme je ne peux pas vivre sans chanter, en refusant le traitement, j'ai gagné 8 mois. C'est bien. Attendez, dans la même phrase, vous m'apprenez que vous avez choisi délibérément de ne pas vous soigner et que vous renoncez à vivre? Ben, vous en faites pas. Je savais que ce moment arriverait un jour ou l'autre. Alors, je me suis préparé. C'est pas grave. Ben, je vais aller me coucher. Demain est un autre jour. Bonsoir, Joséphine. Et encore merci. Vous êtes une chic fille. Une chic fille, on ne l'avait jamais fait, celle-là. Il est insensé, ce type. Je peux pas soigner son désespoir, il est même pas désespéré. Alors je fais quoi? Moi, j'ai pas le pouvoir de le guérir. Vous allez attraper froid si vous restez sur ce banc. Je suis garé au parking du théâtre. Vous voulez pas que je vous dépose? Ah ben, je veux bien, oui. Vous pouvez me déposer à un hôtel sur votre chemin? Ah bon? Vous n'êtes pas parisienne? Non, je suis de l'Orchestre National de Bordeaux. J'étais en remplacement ce soir. Ben, généralement, le théâtre loge les musiciens. Oui, mais je me suis un petit peu engueulée avec le directeur. J'ai pas aimé ce qu'il vous a dit. Donc, ça m'étonnerait qu'il ait conservé ma réservation. Bien. Vous allez venir chez moi. C'est pas immense, mais j'ai une chambre d'amis. Ce soir, elle portera bien son nom. Ah ben, je veux bien, merci. Voilà. Je vous en prie. Bah dites donc, c'est pas petit-petit chez vous, hein. C'est même plutôt grand-grand. C'est beau, hein? Bon, c'est un petit peu le... Le bordel, oui, on peut le dire. Ma femme de ménage est en vacances, elle rentre demain, heureusement. Je vous sers un verre? Oui, je veux bien. J'ai du whisky ou de l'eau? De l'eau, ça ira bien. Avec un petit peu de whisky. On aurait peut-être dû repasser au théâtre pour prendre votre valise, non? Ah non, mais c'est ça ma valise, ça a l'air petit, mais ça contient beaucoup. Ah ben, vous voyagez léger pour une femme. Vous êtes une perle rare, vous. Vous seriez beaucoup pour un homme qui a décidé de mourir. Ça vous tracasse, hein? Ah non, pas du tout. Un type m'annonce tranquillement qu'il va se suicider, il n'y a pas de quoi se tracasser. Ah, chacun son destin. J'ai choisi de mourir parce que la vie sans la musique, c'est pas de la vie, c'est de la non-vie. Voilà, ma décision, elle m'appartient.
La Terre s'arrêtera pas de tourner pour autant. Je vous laisserai pas faire ça. Tranquillisez-vous, je ne le ferai pas devant vous. Allez, je vais vous montrer votre chambre maintenant. Venez. Et cette nuit, pas de bêtises, hein? Ni cette nuit, ni la suivante. J'ai tellement de choses à régler avant. Venez. Je fais comment, moi? J'ai aucune prise sur ce bonhomme-là. Vous venez? Oh! J'arrive. Monsieur Balthus? Monsieur Balthus, où vous? Je suis quand même pas flippée à chaque fois qu'il tourne au coin de la rue. Balthus rempli et enthousiasme le Metropolitan Opera de New York. Une reine d'Angleterre honore un chevalier français. Balthus ressuscite la voix des anges. Ah, c'est un mec bien qui a écrit ça, comment ça s'appelle ? Pierre Froment. Bonjour. Alors ça, j'en reviens pas. Une femme chez Monsieur Balthus ? Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je crois ce que je vois. Non, je suis simplement une amie de Monsieur Balthus et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Ah. Dommage. Dolores Souchard, femme de ménage. Joséphine de la Marange, musicienne. Oh, quel bordel. Déjà, un homme seul dans une maison, c'est pas un cadeau pour une femme de ménage, alors. Un artiste, faut vraiment avoir le sens du sacrifice. Bon, je vous fais un café. Non, merci. Il a pas de femme, Monsieur Balthus? La musique, toujours la musique, rien que la musique. Pourtant, il est plutôt séduisant, non? Je vous le dis. J'ai bien tenté ma chance, il s'en est même pas aperçu. Et pourtant, j'avais mis le paquet. Ah, enfin, qu'est-ce que vous vous laissez comme ça? Pardon. Mais, il a jamais été amoureux? Amoureux et marié. Mais ça lui a pas porté chance. Elle l'a quitté au bout de 10 ans. Et pourtant, elle l'aimait, hein. Vous pouvez me croire. Et ben alors, pourquoi? Et la musique, toujours la musique, rien que la musique. Elle est où, la place d'une femme, là-dedans? Nulle part. Madame Anna, elle passait sa vie à l'attendre. Et les tournées, les enregistrements, les concerts à droite à gauche, ça laisse pas beaucoup de place pour une vie de couple, vous savez. Sans compter que ces artistes-là, pour garder une voix pure, il faut qu'ils y aillent mou sur la bagatelle, si vous voyez ce que je veux dire. Alors la petite Anna, elle a fait ses valises et hop, partie sans laisser d'adresse. Mais comment il l'a pris? Je crois que s'il avait pas eu sa musique, il en aurait crevé. Il a enlevé toutes ses photos, il a donné toutes les robes qu'elle avait pas voulu prendre. Et puis, il en a plus jamais reparlé. Il a même rompu avec leurs amis communs. Table rase qu'il a fait. Comme si elle n'avait pas existé. Bonjour. Bonjour. Don Dolores. Vous seriez pas en train de raconter ma vie, par hasard? Moi, Monsieur Balthus? Vous savez bien que je suis la discrétion même. Non, c'est madame qui me racontait sa vie, alors j'écoutais, par politesse. Café. Dolores, téléphone. Oui? Non, monsieur Balthus est occupé, je peux prendre un message? Oui, son notaire. Le rendez-vous de cet après-midi est confirmé, mais d'accord, je vais lui dire. Attendez, laissez Dolores, je vais m'en occuper. Attendez, merci. Ne quittez pas, maître. C'est bon, je m'en occupe, je suis au courant. Merci. Merci, Dolores. Oui, allô, bonjour.
Je suis la cousine de Monsieur Balthus. Le rendez-vous de cet après-midi, c'était à propos de son testament? Oui, je suis au courant. Monsieur Balthus m'a chargé de vous dire qu'il avait un petit contretemps. Il souhaiterait reporter le rendez-vous. Demain, non. Plutôt la semaine prochaine. Lundi en 8, même heure, c'est parfait. Merci, au revoir. Ça me laisse 8 jours, c'est toujours ça. C'était qui? Votre notaire, il a un contretemps. Il reporte le rendez-vous à la semaine prochaine. Lundi, même heure. Merde. Vous êtes quand même pas une semaine près. C'est très gentil de me raccompagner à la gare. Mais c'est vraiment pas la peine, hein. Sauf si c'est pour être sûr que je m'en vais. À la bourse, le CAC 40 prend 2 points à l'ouverture de Wall Street. La SNCF est encore en grève. Certaines lignes comme Paris-Bordeaux sont interrompues. Selon le syndicat des cheminots, la grève pourrait durer 8 jours si leurs revendications ne sont pas prises en considération par le patronat. Et des jours comme ça, hein? Je vous ramène à l'aéroport. Non, c'est pas possible, je supporte pas l'avion. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je sens que vous voulez quelque chose, je le sais. Alors, dites-le-moi tout de suite, on gagnera du temps. Bon, en fait, vous avez une semaine avant votre rendez-vous pour votre testament chez le notaire. La grève risque de durer une semaine, donc on pourrait peut-être passer cette semaine ensemble. De toute façon, je vous embêterai pas. Moi, j'en profiterai pour visiter Paris, les monuments, la Tour Eiffel. Comment est-ce que vous savez que je dois refaire mon testament? Moi aussi, je sens des choses. Qu'est-ce que vous sentez? Par exemple, que vous m'intimidez, j'ai pas du tout l'habitude. Je suis un solitaire. Pas du genre à passer une semaine à deux. Tentez le coup, qu'est-ce que vous avez à perdre? De toute façon, je vous dis, je serai pas là, moi, Paris. Ce que femme veut, Dieu veut. Priez pas si bien dire. C'est curieux pour une femme d'avoir choisi les cymbales, non? Pourquoi? Vous auriez préféré que je joue de la harpe? C'est pas une réflexion un peu macho, ça? Enfin, je veux dire, c'est pas banal. Mais je ne suis pas banal. Ça fait longtemps que j'ai pas passé une journée comme ça à me promener, à me balader. C'est pas désagréable. Vous faites quoi de vos journées d'habitude? D'habitude, je chante. 6 heures d'exercice par jour. Et puis repos absolu pour ne pas fatiguer la voix. Vous avez des loisirs quand même? Pas vraiment. Pas de restaurant et de lieux publics à cause de la fumée. Pas de théâtre, pas de cinéma à cause de la climatisation. Pas de sport à cause du souffle. Il ne reste pas grand-chose. Vous restez vos amis? J'en ai eu. Beaucoup. Et puis, je sais pas pourquoi, à une époque, j'ai rompu. Mais il me reste un bon copain. Pierre Froment, un critique musical. Avec lui, au moins, je peux parler de musique. Le reste, je m'en fous. La conversation m'emmerde. Le salon m'emmerde. Vous êtes un sacré bout de temps train, hein? Concerto pour piano et orchestre de Joseph Balthus, c'est quelqu'un de votre famille? Ça alors? Je croyais qu'il les avait toutes brûlées. Qui? Mon père. Non, la preuve, non, hein.
Eh, vous faites ce que vous voulez, moi je m'arrête là, j'en peux plus. C'est incroyable. Ça fait 25 ans que je rêve de retrouver une partition de mon père. Et vous, comme ça, par hasard. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Eh ben oui, pourquoi vous me dites ça? Je ne sais pas. Ça me semble étrange, mais depuis que je suis avec vous, c'est comme si tout était un peu irréel. Comme si vous étiez plusieurs personnes. Comme si vous aviez déjà eu une vie. C'est toujours aussi intuitif, les musiciens? Les bouts d'entrain, surtout. Ce sont les plus sensibles. Vous m'avez dit que votre père avait brûlé ses œuvres. Pourquoi? Mon père était compositeur. Il m'a appris le chant, la musique et la composition. Je lui dois tout. Vous composez aussi? Non, enfin, j'ai composé 2-3 trucs quand j'étais jeune, mais ça valait pas grand-chose, alors j'ai laissé tomber. Seulement mon père, lui, c'était quelqu'un. Il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Alors un jour, il a brûlé toutes ses œuvres. Il s'est pendu. J'avais 20 ans. Et je n'ai avec lui. Et la musique. Et la musique. Alors? C'est comment? Bah c'est nul, hein. C'est même pire que nul, c'est... Mais je vous ai rien demandé, Dolores. Joséphine? Moi je dirais qu'il est peut-être un petit peu trop... Enfin, non, en fait c'est un peu comme elle a dit, Dolores. Ça va, j'ai compris. Vous allez où? Faire un tour. Je peux encore faire ce que je veux, non? J'ai dit une bêtise. Après tout, j'y connais rien en musique, moi. Non, c'est pas une bêtise. C'est pour ça qu'il est fâché, parce qu'il sait que vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça fait plus d'une heure qu'il est parti. Si au moins je pouvais mettre la main sur ses compositions, ça me donnerait une idée. De toute façon, ça peut pas être pire que celle de son père. Bon, j'arriverai à rien comme ça, je vais revenir aux bonnes vieilles méthodes. Anna, plus belle que les étoiles, été 95. Bon, alors à quoi ça ressemble, ça j'en ai aucune idée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Monsieur Pierre Fourmont est là, s'il vous plaît? Oui, mais qui dois-je annoncer? Joséphine Delamarre.
Vous saviez pas qu'il avait un cancer, il vous l'avait pas dit? Non. Ni qu'il avait l'intention de mourir le jour où il pourrait plus chanter? Ben non, je vous dis que non. Et vous vous êtes douté de rien, pourtant je croyais que vous étiez son ami. Et alors? L'amitié, c'est quoi pour vous, un confessionnal? Balthus est un type secret. J'ai toujours respecté ça chez lui. La raison pour laquelle on est restés proches tous les deux. Vous fâchez pas, je vous reproche rien. Je mets pas en doute votre amitié, sinon je serais pas là. Mais vous êtes là pourquoi alors? Vous saviez qu'il composait avant de chanter? Oui, mais c'était il y a longtemps. Il a arrêté à la mort de son père. Pourquoi? Vous lui demanderez. C'est pas moi de vous le dire. Comme vous voudrez. Non, écoutez, l'enjeu est simple. Si ces partitions ont de la valeur, elles peuvent lui sauver la vie. Seulement, moi, je connais personne dans le milieu, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Étonnant. Mais c'est d'une facture classique qui ne ressemble pas du tout à de la musique contemporaine. Il y a bien une légère influence de Debussy ou de Ravel, mais par exemple, voyez ce concerto pour piano orchestre là. Mais il aurait très bien pu être écrit au siècle dernier. Vous voulez dire que ça date? Ah non, non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Alors vous pensez que ça pourrait intéresser un directeur de salle ou un producteur? J'en sais rien. Je suis un peu sonné par ce que vous venez de m'apprendre, mais dès que j'aurai ramassé les morceaux, je vais agir, je vais me démener, je vais faire tout ce que je peux. Non, là, on n'a pas le temps, il nous reste une semaine. Mais pourquoi vous faites tout ça? Vous êtes qui exactement pour lui? Ben, une amie. Mais il m'a jamais parlé de vous. Et alors, l'amitié, c'est pas le confessionnal? Allô, petit. Ça vous arrive souvent de filer à l'anglaise comme ça? Et je signale que c'est vous qui êtes parti en premier, en claquant la porte en plus. Eh oh, 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 oh. Pas marié, hein? Je savais pas que vous étiez alcoolique. Je suis pas alcoolique, tout de suite les grands mots. J'ai bu, Nubance. Et pourquoi? Parce que j'avais soif. D'ailleurs, j'ai encore soif. Non, vous avez assez bu d'alcool, vous restez assis, je vais vous chercher un verre d'eau. Voilà, il m'avait coûté de la lutte de coupe sans les bons. Je peux savoir pourquoi vous avez fait ça? Vous cherchez à vous détruire encore plus vite? Ça vous suffit pas de vouloir mourir dans une semaine? Faut que vous mettiez la pédale d'accélérateur. Vous pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que je peux pas comprendre? Que vous êtes bouleversé parce que vous avez retrouvé une partition de votre père et que 20 ans après, vous avez découvert que c'était un mauvais compositeur? Vous jugez mon père? Je juge pas votre père, Balthus. Le génie va où il veut. C'est un don du ciel, c'est pas un dieu. C'est pas parce que vous avez reçu un don que lui n'a pas eu qu'il faut vous sentir coupable. Je sais pas ce que j'ai. Ça va pas, hein. Ouais, ça, c'est normal. C'est parce que vous avez bu que vous avez pas l'habitude. Vous allez aller dormir, ça ira mieux demain matin. Allez, hop. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Cordier, oui. Je comprends pas. Qui vous les... Oui, c'est moi qui les ai écrites, oui. Pierre Froment. Bien. Oui, si vous voulez, demain, 15h. Théâtre de la musique. Parfait. Bien. Au revoir.
Je t'en prie, entre. Et assieds-toi. C'est quoi cette histoire de théâtre de la musique? C'est quoi cette histoire de cancer des cordes vocales? Et en plus, elle t'a raconté ma vie. Et c'est tout ce que tu trouves à me dire. T'avais prévu quoi pour moi pendant que t'organisais tranquillement ton suicide, hein? De me laisser apprendre ta mort par une dépêche de l'AFP? Et de me confier la rubrique nécro? Arrête. Et en plus, t'as le culot de venir m'engueuler dans mon bureau parce que j'ai passé ton concerto à Cordier hier soir. Ce concerto est nul. Pas complètement, figure-toi. De toute façon, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais très bien que je ne ferai jamais jouer ma musique. Ton père est mort depuis 25 ans, Balthus. Et toi, t'es vivant. Et je te jure que t'as intérêt à le rester, sinon... Sinon? Mais sinon, je te casse la gueule. Oh. Vous avez bien dormi? J'ai reçu un drôle de coup de fil ce matin. Le directeur du théâtre de la musique. Déjà? Vous avez dû remarquer tout de même. Quoi donc? Que j'étais pas tout à fait stupide. Oui, et alors? Et alors, il y a deux, trois choses que j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Je marcherais bien un petit peu, moi. C'est vous qui me faites marcher. Bon, d'accord, j'aurais pas dû fouiller dans vos tiroirs. Mais moi, je fais ce que je peux avec mes armes à moi. Je me bats toute seule. Vous, vous avez décidé de mourir, alors il n'y a plus rien qui compte. Vous vous fichez de tout. Moi, je veux que vous viviez. Je veux que vous recomposiez votre musique. Avant, vous chantiez celle des autres. Ben, maintenant, on jouera la vôtre. Vous doutez de rien? Si, de tout. Sauf de vous. Alors, vous déboulez dans ma vie comme ça, sans crier gare. Vous veillez sur moi comme une mère. Vous devinez des choses que j'ai jamais dit à personne, même pas à moi. Vous vous mêlez de tout. Pourquoi? Si je vous le dis, vous me renvoyez Dardard à l'aéroport. Eh bien, dites toujours. Je veux que vous repreniez goût à la vie. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais ça me fait! Promettez-moi que vous irez demain à votre rendez-vous au Théâtre de la Musique. Et comment elle sait que j'ai rendez-vous demain au Théâtre de la Musique? C'est vous qui me l'avez dit? Ah non, non, pas du tout. Oh. J'ai parlé d'un coup de fil. Bah, comment je pourrais le savoir autrement? Qu'est-ce que j'ai, moi? Je gaffe, je m'en mêle les pinceaux. Je perds la tête ou quoi, là? C'est de la connerie, ce rendez-vous. Ça ne sert à rien. Il doit savoir que je vais crever, alors il veut me voir, par pitié. Par curiosité. Vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne nouvelle, hein. Il veut peut-être vous voir pour vous parler de votre musique. La musique, elle est ringarde. On n'écrit plus comme ça aujourd'hui. La musique contemporaine, elle est beaucoup plus syncopée, beaucoup plus accidentée, beaucoup plus dissonante. Ce que je fais, moi, ah, ça vaut pas grand-chose. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que votre musique, elle a une filiation certaine avec Ravel et Debussy. Ah bon? Vous croyez? Venez. Voilà, c'est mieux. Allez.
Balthus, est-ce que vous pourriez arrêter de jouer avec mes nerfs et me raconter comment ça s'est passé? Mon concerto l'intéresse, à condition que... je retravaille le troisième mouvement, qui lui semble un peu plat. Il n'a pas tort. Puis éventuellement, il est prêt aussi à me laisser le diriger. Attendez, vous rigolez ou quoi? C'est la plus merveilleuse nouvelle qu'on pouvait vous annoncer et vous en parlez comme d'une catastrophe? Mais non. Ah si, si. Là, vous ressemblez à un type à qui on vient de coller un contrôle fiscal. Hein. Pas du tout à un compositeur à qui on vient de passer sa première commande. Balthus, vous m'avez dit que la vie sans la musique, c'était la non-vie. Que c'est pour ça que vous vouliez mourir. Sauf que là, la musique vous rattrape, elle est plus forte que vous. Je ne me soigne pas depuis 8 mois. Il n'est pas trop tard. Quand on veut vivre et qu'on sait pourquoi, il n'est jamais trop tard. Bien. Je vais prendre rendez-vous à l'hôpital dès lundi. Vous allez vous soigner? Promis? Promis. Vous allez me manquer. Pourquoi vous dites ça? SNCF, reprise du travail. Fin des négociations entre les cheminots et la SNCF. Les deux parties sont parvenues à des accords qui les satisfont, blablabla. En tout cas, après 6 jours de grève, le travail reprend et les lignes fonctionneront normalement dès demain matin. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de rentrer tout de suite. C'est pas parce que la grève est terminée que vous n'allez pas profiter de Paris. C'est gentil. J'aimerais bien, mais non, il faut que je rentre. J'ai d'autres missions, enfin d'autres concerts à donner. Comme vous voulez. Non, je crois que je vais repartir à pied, je me sens un petit peu oppressée. Ça me fera du bien de marcher. J'ai réussi ma mission, je devrais être contente. Pourquoi l'idée de repartir me tord le ventre comme ça? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai eu peur. De quoi? Ben de... Non, vous allez me trouver dingue. Non, mais je vous trouve déjà dingue. Alors, vous avez eu peur de quoi? Mais j'ai pensé que vous étiez parti. Que vous ne reviendriez pas. Bon, vous êtes là. Tout est bien. Magnifique, qu'est-ce que c'est? C'est vous? Comment ça, c'est moi? Ben oui, j'ai improvisé comme ça. C'est ce que vous m'inspirez, c'est comme ça que je vous vois. Je suis beaucoup plus jolie en musique qu'en vrai. Non, au contraire.
C'est moi qui ai des progrès à faire. Écoutez, je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait. Alors, je voudrais vous inviter à dîner. Après tout, vous êtes une touriste en vacances à Paris. Et les touristes en vacances à Paris, on leur fait visiter Paris. La Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel. Oui. Je vous adore dans cette robe. C'est comme ça que vous étiez la première fois que vous êtes entré dans ma vie. Eh bien, vous aviez soif. Vous savez ce qu'il y a d'important dans la vie? Ce sont les premières fois. Notre premier baiser, notre première nuit d'amour, notre première voiture, la première fois qu'on entend la 21e de Mozart. Seulement à 45 ans, on sait qu'on n'aura plus de première fois. Qu'elles sont toutes derrière, qu'on n'aura plus le droit qu'à des répétitions. Alors quand une seconde fois a un goût de première fois, c'est comme si on renouait avec une jeunesse perdue. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas du tout, non. Ah bon? Eh bien, là, par exemple, je viens de prendre une veste. Et c'est pas la première. Et pourtant, elle est tout aussi humiliante que si c'était la première fois. On est mal là, parce que plus vous m'expliquez, moins je comprends. Je ne sais pas bien parler des choses importantes. Et ce que je ressens pour vous, c'est important. Je crois que je tombe amoureux de vous. Mais c'est pas prévu. Pardon? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Vous ne m'aimez pas. Pas comme vous, ça m'est impossible. Pourquoi? Parce que vous mesurez 1m32. Si vous saviez ce que je m'en fiche, vous êtes belle. Vos yeux sont sublimes, on dirait deux fenêtres ouvertes sur le ciel bleu. Votre bouche est sensuelle. Vos mains sont délicates, vous avez une peau de bébé. Vous savez, des filles d'1m70, j'en ai eu dans mon lit. Hein? C'était pas elle qui était à côté de moi quand j'avais besoin d'amour. C'est vous. C'est pas ça. Bon alors, vous êtes mariée, ben c'est pas grave. J'irai trouver votre mari. Je lui parlerai, je lui expliquerai. Non, c'est pas ça non plus, c'est... Vous aimez les femmes? Eh bien, tant pis, on les aimera ensemble. Non, c'est pas ça, c'est... Mais alors c'est quoi? Dites-le-moi. Je suis un ange gardien. Oui, et... Alors? Ça veut dire que je suis un ange. Je suis pas une femme. Ben oui. On a tous des complexes, des inhibitions. On est tous différents, mais l'amour peut balayer tout ça. Vous m'avez redonné le goût de vivre, Joséphine. Ne me le redirez pas. Non, mais vous me croyez pas, là. Vous vous écoutez pas. Vous comprenez pas ce que je vous dis. Joséphine, attendez. Attendez, où est-ce que vous allez? Je sais pas à quoi vous jouez, mais moi, je peux pas jouer à ce jeu-là. Mais enfin... Non, j'ai besoin d'être seule. Laissez-moi, s'il vous plaît.
le même alors. Hop, 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 hop. Salut. C'est la première fois que je vous vois ici. C'est une manie chez les hommes, la première fois. Si ça vous arrange, je ressors, je re-rentre et on passe direct à la deuxième fois, OK? Eh ben dis donc, ça n'a pas l'air d'aller fort. Bingo. Je perds pied, je coule. Je ressens des choses que je comprends pas du tout et je sais absolument pas ce qu'on attend de moi. On attend peut-être de vous que vous dépassiez ces choses auxquelles vous ne compreniez rien. Mais comment? J'avais pour mission de redonner le goût du bonheur à un homme, sauf... Cet homme attend de moi des choses que je peux pas lui donner. Et si je lui refuse, il repère le goût de vivre. Alors je fais quoi, moi? Je fais comment? Excusez-moi, mais ces choses que vous ressentez sans vraiment les comprendre, vous pouvez en parler? J'aimerais bien, mais ça déborde de tous les côtés. Qu'est-ce qui déborde? La peur ou l'amour? La peur de l'amour. Ne quittez pas votre route et le reste suivra. J'étais fou d'inquiétude, moi. Si vous êtes un ange gardien, vous êtes là pour me rendre heureux. Non, pas comme vous l'entendez. Je reste, mais uniquement pour vous ramener à la raison, très vite. Et après, moi, je reprends ma route, c'est clair? Votre bonheur à vous. Qui s'en préoccupe? Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Vos rêves, qui les réalise? J'ai pas de rêve, moi. J'ai que des missions à remplir. Vous avez bien un rêve, quand même. Vous vous boudez. Et une femme qui boude, ça attrape des mauvais plis, là, au coin de la bouche. Bon, d'accord, j'ai un rêve. Montez à cheval. Eh bien, on y va. On va où? Réalisez votre rêve. Non. Allez. Non. Là. Baltus, arrêtez de faire l'andouille. Vous cassez la figure. Mais non, Lancelot du lac ne tombe jamais. Sauf si Guenièvre ne l'aime plus. Alors là, évidemment, c'est la merde. Madame Baltus. Pardon? Bonjour madame, je suis le docteur Monnier. Votre mari m'a dit que je pouvais vous trouver dans le couloir. Il va s'en sortir? Oui, il a de fortes chances. Mais vous comprenez, il a perdu de longs mois de traitement et la tumeur a naturellement gagné du terrain. Il va falloir le soutenir, madame. Vous savez, dans,
Dans son cas, le fait d'avoir perdu sa voix est un drame. Le moral dans ce type de maladie joue un rôle considérable. Enfin, pardonnez-moi cette question indiscrète, mais comment se comporte votre couple? Non, je veux dire, vous n'avez pas de problème majeur. Non, non, non. Ni d'ordre sexuel? Non, non. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, parce que toute contrariété affective pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Si vous avez le moindre souci, vous n'hésitez pas à vous m'appeler. Hein. Monsieur Manville, si vous voulez bien me suivre. Madame Balthus, de mieux en mieux. Deux séances de chimio par semaine pendant 6 mois, ils y vont fort, non? Qu'est-ce qui vous a pris de me faire passer pour votre femme? Ça vous a pas plu? Bah non, pas vraiment. Ça ment mal, un ange gardien. Mangez plus. J'en ai repris 2 fois, moi, ça me suffit. Toi, je mange trop. Non, pas du tout. Au contraire, j'adore. Généralement, les femmes, elles mangent pas, elles picorent. C'est triste. Et on me dit, une femme qui aime manger à ce point, c'est presque un miracle. Hein? Ça veut dire qu'elle aime le plaisir. Tu n'as pas un petit peu chaud? Si, je... J'ai vraiment besoin d'un petit coup de main. Mais j'attends personne. Qu'est-ce que c'est? Je passais dans le quartier, alors je me suis dit que tu me ferais bien un petit coup. Ah ben, je t'en prie. Ah non, mais attends, si je dérange dans notre... Ah non, pas du tout. Au contraire, ça nous fait plaisir. Hein? Ça nous fait plaisir. Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Je vous offre quelque chose à boire? Oui. Merci. Alors, comment ça s'est passé, ta première journée d'hôpital? Dur. Impression d'étouffer. J'ai une nausée par-dessus le marché. Un petit verre de blanc? Oui. Oh, top, 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 top. Non, merci, parce que trop de blanc, moi, je peux pas dormir. Mais qui parle de dormir, on n'est pas bien là, tous les trois? Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma moite, j'arrive à rien. Les anges n'ont pas de sexe. Oui.
Mais ils ont un cœur. Je t'aime, Balthus. J'ai pas le droit, mais... je t'aime et je regrette pas. Tu dormais pas? Répète ce que tu viens de dire. Balthus, c'était magnifique. Ce qu'on a vécu, c'était magnifique. Mais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Puisque ça a été. Vous cachez bien votre jeu, vous. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais bien sûr. Et moi, je suis le pape déguisé en femme de ménage. C'était qui? Le pape. J'ai des places au ciel bleu. Qu'est-ce qui se passe? Allume-toi le réverbère. J'ai perdu mes pouvoirs. C'est pas possible, ils m'ont pas fait ça. Attends, je peux déjà pas être une femme si je peux plus d'un ange. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Deux heures et demie pour aller chercher des croissants, alors que la boulangerie est au coin de la rue, cette femme joue avec mes nerfs. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Hein, je les sèche d'abord, on les mange après. Bonjour. Bonjour. Non, Balthus, attends. Oh là là, mais t'es trempé, je vais te faire couler un bon Balthus. Balthus. Ouais. Ce qu'on a vécu tous les deux, c'était magnifique. C'était même plus que ça. Eh ben oui. Pourquoi est-ce que tu en parles au passé? Parce que c'est du passé, parce que ça n'a pas d'avenir. Et de présent? Ça n'a pas de présent non plus. Mais qu'est-ce que tu cherches à me dire, Joséphine? Que tu m'aimes pas? Oh, si, je t'aime, si. Mais j'en ai pas les moyens. Je sais que tu peux pas comprendre. En plus, regarde, je me suis... Mais ça veut dire que je peux être malade. Bien sûr que tu peux être malade. Tu vas attraper la crève, je te dis. Je vais te faire couler. Un bonbon. Voilà. Allez, viens. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que c'est, Joséphine? Tu t'es brûlée?
veux pas me croire, mais je suis un ange. Je brûle d'amour pour toi et c'est tout mon corps qui se consume. Je peux pas être une femme. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Bien sûr que si. Mais si. Je sais pas ce qui se passe, mais il faut pas avoir peur. Je vais te soigner. N'aie pas peur, j'ai pas peur, moi. Moi, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Laissez, je m'en occupe. Vous avez eu un malaise? Non, c'est pas possible, je veux pas avoir de malaise. J'ai mal. Mais je peux pas non plus avoir mal. Pourquoi vous vouliez devenir humaine, non? Les humains connaissent la douleur et les malaises de toutes sortes. Je vous reconnais, vous êtes l'homme du bar. Je vous avais dit de suivre votre route, et vous vous en êtes éloigné. Vous êtes loin maintenant, beaucoup trop loin. Vous nous faites peur, Joséphine. Nous avons peur pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous qu'il faut le demander. J'ai le droit d'aimer. Vous avez le droit d'aimer. Vous en avez même le devoir. Non, pas comme ça. Je vais pouvoir être la femme de Balthus. Vous ne le serez pas longtemps. Regardez, Joséphine. C'est pour ça que vous avez perdu connaissance. Si vous persistez, si vous ne renoncez pas, c'est votre corps tout entier qui se consumera. Nous ne pouvons l'empêcher. Mais pourquoi? Parce qu'un ange ne peut accueillir des sentiments aussi violents que la passion ou la haine. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes plus légers qu'air. Nous ne pouvons rien porter. J'ai parlé au docteur Monnier de ta brûlure au bras. Il m'a dit qu'une violente blessure pouvait provoquer une légère et momentanée confusion mentale. Non, pas que tu s'arrêtes. T'as du travail, le troisième mouvement de ton concerto va pas se terminer tout seul. Ben oui. Mais pas maintenant. Maintenant, j'ai envie de m'occuper de toi. C'est la musique, ta vie, tu te souviens? Oui, je me souviens. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais marcher, respirer. J'ai besoin d'air. Tu reviens? Oui. Je peux vous déranger deux minutes? Ah, mais vous ne me dérangez pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin d'un ami. Alors, je suis l'ami de Balthus. Alors, disons que j'ai besoin d'un ami qui soit l'ami de Balthus. Voilà. Balthus croit qu'il m'aime, et d'une certaine façon, je pense que c'est vrai. Seulement, je suis pas une femme pour lui. Moi, je suis simplement de passage. En général, ce qu'on dit quand on n'a pas le courage de dire la vérité, non? Vous n'aimez pas. Vous y croyez, vous, à Balthus et moi? Je sais pas. Puisque j'en pense, c'est pas très important. Si, si, c'est important. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Je sais pas.
Je ne sais pas ce qui vous lie à lui, mais j'ai toujours pensé qu'il aimait Anna. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il l'aime encore? Écoutez, ça me gêne terriblement. Attendez, je veux pas qu'il se trompe d'histoire. Je vous l'ai dit, je peux rien construire avec lui. Moi, je suis simplement de passage. Et si Anna est la femme de sa vie, je dois l'aider à s'en rendre compte et à la retrouver. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Vous comprenez? Décidément, je vais finir par croire que vous êtes vraiment son ange gardien. Anna est partie depuis 3 ans. Hein. Ça fait un bail. Au début, elle m'appelait pour avoir de ses nouvelles, et puis... plus rien. Elle a sans doute refait sa vie. Je sais pas. Et vous appelez d'où? Alors, Balthus. D'accord. Renseignement le 12. Alors, pour téléphoner, faute de pièces. J'en ai pas, comment je fais? Je me débrouille, j'allais le dire. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Je suis une pauvre travailleuse au chômage, sans travail, qui doit nourrir ses 8 enfants. 9 enfants. Vous avez pas une petite pièce? Madame, vous n'avez pas une petite pièce? Tenez. Voilà 10 francs. Ah, excusez-moi, vous n'auriez pas plutôt 2 pièces de 5? Oui, voilà. Merci. Les renseignements? Oui, bonjour, je voudrais le numéro de téléphone et l'adresse d'une madame Anna Balthus à Paris, s'il vous plaît. Vous avez personne à ce nom-là? Regardez à Anna Cypris. Bah, Cypris, comme ça se prononce, avec un Y. Vous avez l'adresse aussi? 10 Allée des Tilleuls. Merci beaucoup. Au revoir. Tiens. Dix minutes que je poirote. Il y a bien un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». En plus, c'est un proverbe de chez nous. On ne pourrait pas le mettre un chouïa en application, s'il vous plaît? Elle est encore plus jolie que sur la photo. Bon. À moi de jouer maintenant, je vais aller la voir, je vais lui dire bonjour madame, on ne se connaît pas, mais nous avons un homme en commun, et justement, cet homme-là, j'aimerais bien que vous le récupériez. Fastoche à faire. Allez. Dessiner. Moi, j'aurais adoré savoir dessiner, mais je suis musicienne, on ne peut pas tout faire. Non, non. Vous aimez la musique? Non. Excusez-moi, j'ai peut-être été maladroite. Non, c'est pas de votre faute. Il y a des sujets qui fâchent et vous êtes tombée pile dedans. La musique. Vous ne pouviez pas deviner. Si. En fait, je vous ai menti, je suis pas là par hasard, je voulais vous rencontrer. Vous êtes Anna Balthus. Anna Cypris. C'est ma galerie qui vous envoie? Non. Alors, je ne comprends pas. Je voudrais vous parler de Balthus. Qui êtes-vous? Je m'appelle Joséphine Delamarre et... je suis une de ses amies, je suis musicienne aussi, je travaille avec lui. Et il n'a pas d'amis. Les gens n'ont jamais compté pour lui. Que sa musique, son chant, sa voix, il n'a pas d'amis. Non, mais ça, c'est différent, parce qu'il a changé, et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Écoutez, je me fiche de qui vous êtes et de ce que vous avez à me dire sur lui. Depuis 3 ans, je l'ai rayé de ma vie et je ne veux plus en entendre parler. C'est fini. Génial, mes travaux d'approche. Bon, Anna, si tu veux pas m'écouter, t'accepteras peut-être de me lire.
Vous m'étonnerez toujours, vous. Bonjour, Dolores. Au revoir, Joséphine. T'as bien dormi? Pourquoi tu as fermé la porte de ta chambre à clé? Balthus, si tu m'aimes, me torture pas. Ah oui? Qui des deux torture l'autre? Mais tu vois pas que je fais tout ce que je peux? Moi, je ne comprends pas. Un jour, tu me prends, un jour, tu me jettes. Tu dis que tu pars, mais tu restes. J'en peux plus, moi. Tu sais, Joséphine, j'ai jamais supplié personne. C'est pas de l'orgueil, mais c'est comme ça, j'en ai jamais eu besoin. Seulement maintenant, il faut que tu comprennes que si tu me quittes, je me fous en l'air. Bah vas-y, saute, qu'est-ce que t'attends? C'est l'occasion rêvée, saute! Pourquoi tu me parles comme ça? Mais j'ai pas le choix, Balthus, tu veux pas m'écouter? Tu me donnes de l'espoir, après tu me le retires. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Dis-le-moi. Dis-le-moi, parce que tu as réponse à tout. Il te reste ta vie, est-ce que tu vas en faire? Tu veux pas me croire quand je te dis que je suis un ange? Je suis ton ange gardien, Balthus. Quand je te dis que j'ai pas le droit d'aimer, c'est la vérité. Regarde. Perdre mes ailes, c'est redevenir poussière, me consumer jusqu'à l'oubli. Alors que si tu vis, tu me sauves. Tu me redonnes mon passeport pour l'éternité. Un ange. C'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Un ange. J'aime un ange. C'est pas possible. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. C'est pas possible d'aimer un ange. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je voudrais que vous me parliez de vous et de Balthus. Mais c'est du passé, tout ça. Pas s'il reste encore de l'amour. Ce qui reste, c'est de la souffrance. Alors, c'est qu'il y a encore de l'amour. Vous êtes qui pour lui?
Oh, ça n'a aucune importance. Demandez-moi plutôt ce qu'il est pour moi. Enfin, non, 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 ne me demandez rien. Ce qui est important, c'est lui et vous. Moi et lui. Mais vous êtes insensé, vous. Non, mais de quoi je me mêle? Si ça se trouve, j'ai un homme, des enfants, un chien, une famille, non? Si ça se trouve, oui. Mais ça se trouve pas. Et alors? De toute façon, je vous l'ai déjà dit. J'ai quitté il y a 3 ans et je ne veux plus entendre parler de lui. Vous pensez que je peux revenir en arrière seulement parce qu'il est malade et qu'il a besoin d'un ange gardien? Non, il n'a plus besoin d'un ange gardien. Ce dont il a besoin, c'est d'aimer, d'être aimé. Et je suis sûre qu'il vous aime encore. Et c'est pour ça qu'il m'a usée pendant 10 ans? Non, vraiment. Vraiment, c'est fini. J'en ai trop bavé. Je ne veux plus en entendre parler. Vous comprenez? Vous êtes trop en colère pour être indifférente, Anna. Peut-être que votre histoire est finie, mais peut-être qu'elle n'a pas commencé. Ce serait dommage de passer à côté de votre vie. Parce que attendre un homme pendant 10 ans, tous les jours, toute la nuit, ne pas avoir d'enfant parce qu'il ne veut pas de cette responsabilité, être exclu de sa vie parce que sa vie c'est la musique et rien que la musique, toutes ces souffrances, toute cette usure, c'est pas ça passer à côté de sa vie. Non, mais il a changé, Anna. Je vous jure qu'il a changé. Il est devenu sensible, vulnérable. Il a compris tellement de choses en si peu de temps. C'est un homme magnifique. Bon, c'est vrai, il est encore égoïste parfois. Hein. Il est aussi enfantin souvent, mais il a tellement d'autres choses. Il est fantasque, il est généreux, il est passionné. Il est unique. Vous êtes une boule de fille, Joséphine. Quand une femme aime un homme comme vous semblez l'aimer, elle va rarement lui chercher sa rivale. Non, non, vous vous trompez, je suis juste une amie. Une amie de passage. Moi aussi. J'étais juste une femme de passage. Ça s'est passé comment à l'hôpital? Oh, formidable! J'ai dégueulé pendant 1 heure après la séance de chimio. Il paraît que c'est qu'un début. Et tu dois le faire quand, ton prochain bilan? Dans 6 mois. À mi-chemin du traitement. T'as l'air bizarre. T'as jamais eu envie de savoir ce qu'était devenue Anna? Quand elle m'a quitté, elle s'est fichée bien de savoir ce que j'allais devenir. T'as pas répondu à ma question. T'aurais envie de la revoir ou pas? Non. Je te crois pas. Sinon, pourquoi tu garderais une photo d'elle au milieu de tes partitions? J'ai oublié que madame faisait mes tiroirs. Non, madame voudrait surtout que tu arrêtes de te mentir. Qu'est-ce qu'il y a, Joséphine? On dirait que tu essayes de me caser avant de partir, là. C'est... Tu veux savoir si j'ai aimé Anna? Oui, très mal. Elle n'a certainement aucune envie de me revoir. Ce qui clôt le chapitre, Anna, c'est clair? Tu vas où? Travailler. Travailler mon troisième mouvement. Do-mi-fa-do. Ça te va? Je t'aime. Moi aussi. Thank you.
Oui, c'est de la part de qui? Joséphine, téléphone! C'est une dame qui veut pas dire son nom. Mais c'est bizarre, on dirait qu'elle déguise sa voix. Et pourtant, c'est une voix qui me dit quelque chose. Merci, Dolores. Ah ben oui. Oui, bonjour. Si, si, je suis toute seule. Il est parti à son rendez-vous avec Cordy. Maintenant? Oui, vous avez le temps. Il en a au moins pour 2 heures. C'est formidable, oui. Je suis très contente. Bah, bonne chance. C'était Anna ou c'était pas Anna? De quoi je me mêle? Il est au courant de vos magouillages, monsieur Baltus? Non, donc motus, sinon. Sinon quoi? Dolores, j'ai l'air très sympa comme ça, mais si on me cherche, on me trouve, alors là, ça peut faire très mal. Vous me faites très peur. Bonjour. Anna, qu'est-ce que tu fais là? T'habites le quartier? Non. J'allais prendre le métro, je rentrais chez moi. C'est drôle de se rencontrer comme ça dans la rue. Oui. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Oui, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Prends un verre? Je veux bien. D'accord. Et toi, comment vas-tu? Comme un type à qui un imbécile vient de refuser son concerto. Un imbécile qui a parfaitement raison, du reste. Parlons de toi. De moi? Fallait vraiment qu'on se voit pas pendant 3 ans pour que ça devienne à l'idée. J'étais si nul. Oui. Et c'est pas grave, c'est du passé. Dis-moi, c'est quoi ce concerto? Tu t'es remis à composer? J'ai pas envie d'en parler. T'as pas envie de parler de musique? Non. T'as vraiment changé, dis-moi. Ben oui. Ben, disons que j'ai essayé de comprendre certaines choses. Lesquelles? Par exemple, que je ne pouvais ni être heureux, ni rendre heureux. C'était pas de l'égoïsme, tu sais. Et c'était quoi? C'était pire. C'était de la pauvreté. C'est vrai que si le piano fait... Les cordes doivent faire... Ce qui ferait... C'est bien passé avec Cordier? Oui. Il m'a renvoyé à mon piano et il a bien fait. Tu sais, Joséphine, j'ai plein d'idées. J'ai plein de désirs, plein d'envies. C'est fou, je me sens presque heureux. Ça a duré longtemps, votre entrevue? Oui. Non. Après, j'ai été faire un tour, me promener. M'aérer, quoi. T'as bien fait.
T'as rien à me dire? Non. Te dire quoi? Non, rien. Vas-y, chou. Je joue pour toi. Attendez. Il m'a menti. Il a revu Anna. Que ressentez-vous? Une petite douleur. Mais ce mensonge prouve que je suis sur la bonne voie, non? Si vous en doutez une seconde, regardez votre bras. Elle a disparu. C'est gentil d'être venu. Tu m'as intrigué au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai revu Anna. Non. Mais où? Comment? Par hasard. Je m'attendais pas à être aussi ému. Et elle, elle n'a pas changé. Toujours aussi jolie, toujours aussi énigmatique. Mais tu vas la revoir? Je sais pas. Je suis un peu paumé en ce moment. Laisse faire le temps, Balthus. Il joue pour toi. Il a raison, Balthus. Laisse faire le temps. Il joue pour toi. Mais j'entends. J'entends comme avant. Hé, j'entends comme avant. Hé! C'est fou comme ça pousse vite un balai. Hein. Il suffit d'en planter un et yop là. Il est dans sa vie maintenant. À moi de retrouver la mienne. En tout cas, cette fois-ci, mes vacances, vous n'avez pas intérêt à me sucrer parce que j'en ai drôlement besoin.